Madame, monsieur, bonjour. Le trafic reprend à la SNCF et dans le métro à Paris. Nous ferons le point. Alors, de la petite recette à la grande table avec le guide Relais et Châteaux 2008 qui va sortir. L'occasion de rêver. Et cette année, un nouveau venu, le château de Bagnols dans le Rhône, un petit paradis au cœur des vignobles. À Bagnols, justement, Romain Verlet et Alain Samfelirovski. Ce soir, nous avons au menu la spécialité de la région qui est la volaille de Bresse, que nous allons retirer à la broche, et le gras de cuisse farci à la sauge, servi avec un petit parmentier de pommes de terre truffées. La salle des gardes du château de Bagnols est silencieuse. La plus grande cheminée gothique de France réchauffe l'atmosphère. C'est un cadeau qu'on nous a fait. Et c'est un petit week-end escapade de 2 jours. Le cadre est magique, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un charme exceptionnel. Et alors c'est pour ce soir, la demande en mariage? Oui, sûrement. Voilà. Après le dessert, peut-être? Après le dessert, oui. Il est vrai que le cadre s'y prête bien. Tour du propriétaire avec le directeur italien. Voilà, nous sommes ici dans l'ancienne chapelle du château. C'est une des chambres les plus belles, les plus prisées, et aussi une des plus vraiment bien décorées au niveau peinture. Peinture Renaissance à la chaux dans la chambre de Madame de Sévigné, draps en pur fil d'Irlande, lit à la turque et baignoire creusée dans un seul bloc de marbre. Il y en a pour tous les styles. La pierre s'appelle la pierre dorée. C'est une couleur miel qui est typique à cette région. Il est possible de goûter au luxe du château et au calme du jardin à la française grâce à des forfaits week-end. C'est presque 5 000 chèques cadeaux qui sont vendus en France et à l'étranger. Et en effet, c'est parce que c'est une façon facile et élégante d'offrir un rêve à quelqu'un. Ce rêve a un prix à partir de 475 € la chambre traditionnelle, avec vue imprenable sur les vignes du Beaujolais et les monts du Lyonnais.